Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. On nous parle, voyez, de situations pour certains où vous avancerez dans une dynamique où oh, tout sera hyper clair pour vous. On a vraiment cette impression, voyez, que vous vous retrouvez, voyez, comme dans ce genre de moment où moi-même je me demande pourquoi je m'inquiétais il y a quelque temps. Non, moi-même je me demande en réalité, tu sais, pourquoi je me suis posé autant de questions, pourquoi j'ai passé mon temps, tu vois, dans certaines situations à me remettre en question, puisque j'ai vraiment cette impression, voyez, que ce que vous aurez en termes d'intuition et les réponses, voyez, qui arriveront pour vous vont vous permettre de réaliser que vous avez toute votre tête. Hein. Oui, c'est vraiment ça, on a le mérite, ouais. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Et c'est fou parce que pour certains, on nous montre que vous êtes tout simplement en train d'ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes. C'est comme si vous étiez en train de percevoir, vous voyez, de plus en plus, hein, clairement, qu'au final, ben, oui, totalement, je suis une personne bien quand même. Hein. Non, je suis une personne en réalité, j'ai beaucoup de patience. Hein. Non, je suis une personne en réalité, tu sais, on a vraiment cette impression que ce sont des choses que tu n'as jamais vraiment osé mettre en lumière. Mais pour moi, en réalité, c'est que on posait un regard un peu difficile sur notre propre personne. Tu vois, on était dans le je ne suis pas assez, et il me manque ça, et il me faut encore ça, alors qu'on était très peu dans le c'est vrai, moi-même, je suis la personne qui sourit toujours. Tu vois, le lundi matin, les collègues sont assez contents, tu vois, comme de me retrouver. Enfin, tes qualités, tu n'étais pas forcément jusqu'à maintenant en mesure de les mettre en avant. Et là, on a vraiment cette impression que ce sont des choses que tu mets en avant et c'est ce qui te permettra, j'ai envie de dire, comme, voilà, de dire, hein, et puis même de, oui, tu diras à ta propre personne, tu vois, dans quelque temps, que c'est vrai, ouais, non, moi, je mérite vraiment les choses. Hein, parce que j'ai bien travaillé, tu vois, dans certaines situations. J'ai bien bataillé dans d'autres. C'est vrai, moi, je suis une personne hyper aimable. C'est vrai, moi, je suis une personne hyper gentille. J'ai vraiment cette impression en réalité, vous voyez, que plus le temps passe et moins en réalité, tu vois, l'extérieur n'aura plus besoin, tu vois, comme de te montrer les choses. Ça sera tellement clair pour toi qu'au final, ben, en fait, on a l'impression que vous vous regardez vivre. Ou vous vous arrêtez, vous voyez, tout simplement sur ce que vous vivez, vous voyez, dans vos situations et dans votre vie de manière générale. Et c'est ce qui fait, en réalité, tu vois, que tu arrives à ce stade et tu arrives à te dire, en réalité, ouais, tu as vu comment j'ai réagi là? Ah, avant, je serais partie au quart de tour dans cette situation. Là même, je me suis maîtrisée. Tu vois, on a vraiment cette impression que tu sais qu'il y a comme, oui, il y a une certaine fierté. Non, je suis fière de moi parce que aujourd'hui, mes émotions, c'est moi, j'arrive à gérer ça. Tu vois, je continue à faire des pas en avant. C'est moi, je doute moins que l'année dernière. Tu vois, je suis un peu plus sur mes appuis quand j'arrive face à une nouvelle personne. Les choses deviennent de plus en plus claires pour vous. Oui, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous. D'accord. Vous savez, vous voyez, comme aller chercher ce dont vous avez besoin à l'intérieur. J'ai besoin d'un peu de force, je vais chercher la force. J'ai besoin de quelques réponses. Bon, allez, je vais regarder où je vais chercher ces réponses-là. Je vais me poser dans un coin et voir si mon intuition, en réalité, peut me guider. Vous acceptez pleinement, j'ai envie de dire, la personne que vous êtes. Les défauts, on les a bien mis, tu vois, en avant il y a un temps, mais j'ai vraiment cette impression que là, c'est le temps de tes qualités, tu vois. C'est vrai, j'ai aussi des qualités. C'est vrai, en réalité, tu vois, que j'ai quand même, oui, je suis quand même une personne avec les yeux ouverts. Tu sais, la dernière fois, j'avais senti, en réalité, que cette personne-là, tu vois, elle me cachait quelque chose. Et c'est vraiment ce qui vous permet, vous voyez, comme d'être de plus en plus à l'aise, vous voyez, dans vos vies de manière générale. Mais c'est aussi, vous voyez, ce qui vous permet, comme, d'être beaucoup plus apte à réceptionner en réalité, voyez ce qui vient de l'extérieur. Au début, alors c'est comme si au début, tu vois, une personne pouvait venir te dire, oh là là, moi j'aime trop, j'ai envie de dire, comme ta façon, tu sais, de fonctionner. Toi, tu n'étais pas en mesure, en réalité, de l'entendre, puisqu'en réalité, tu ne pouvais pas l'identifier chez toi. Comme moi-même, à chaque fois, tous les matins, je doute. Moi-même, à chaque fois, je fais une erreur, tu vois, quand je pars dans quelque chose, tu peux me dire que tu aimes bien ma façon de fonctionner, tu sais. Enfin, on sent que vous étiez des personnes, j'ai envie de dire, très dures avec vous-même et que c'est quelque chose qui s'estompe. Et c'est fou. Parce que même les personnes autour de toi, ben,
vont être surprises de ça. Puisque ce sont des personnes en réalité qui finalement, bon, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais si tu dis ça, bon écoute. Tu vois, tu vois, on a fini, j'ai envie de dire, dans certaines situations, par changer de regard sur toi, puisque ce sont. Il y a des personnes qui ont réalisé, tu vois, peut-être que tu n'étais pas beaucoup sur tes appuis, peut-être que tu ne savais pas non plus, tu vois, ce que tu faisais. Peut-être que tu. Bon, voilà, peut-être que tu es là pour être là, tu sais, beaucoup dans le professionnel, mais au final, on a l'impression que tu vois que le regard échange, puisque. Toi-même, le fait de changer ta façon de te voir, ça te change dans ta façon de fonctionner. Et c'est vrai que, comment on va dire ça? Ça surprend agréablement les personnes autour de toi. Oui. Jusqu'à maintenant, on pensait que tu étais là juste pour être là. Aujourd'hui, on se dit, ah, tu as vraiment envie d'avancer, en fait. Tu as vraiment envie d'évoluer. Tu as vraiment envie, tu vois, comme de vivre des choses. On sent que vous êtes de plus en plus accueillant, vous voyez, on va dire ça avec l'extérieur. Alors pas pour dire en réalité que vous étiez des personnes désagréables, mais on sent, tu sais, que avant il y avait beaucoup de méfiance. Moi, je me méfie. La personne me fait un compliment, je me méfie. La personne veut m'inviter à boire un verre, je me méfie. La personne, j'ai envie de dire, s'avance en ma direction comme ça et puis me sourit. Attends, moi-même je me méfie. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression que on te sourit, tu souris, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, sans vraiment te poser de questions par la suite, te demander est-ce qu'il y aura trahison, est-ce que la personne est rusée. On a l'impression que tout ça, c'est de côté. On a réglé, j'ai envie de dire, comme notre problème pour certains, c'est je m'accepte comme je suis, ce qui fait que j'avance avec confiance dans la vie, donc beaucoup plus accueillant, vous voyez, avec l'extérieur. C'est vraiment ça. Ouais, on a la stabilité. Donc on sent en réalité que vous êtes sur vos appuis et que c'est quelque chose qui va vous aider dans votre professionnel, mais c'est aussi quelque chose qui va vous aider dans votre relationnel. Ces deux domaines-là ont été énormément, vous voyez, ralentis pour certains et on nous montre, vous voyez, comme, et on nous parle tout simplement, vous voyez, comme de deux domaines où on a pu vous identifier parfois, vous voyez, comme la personne, entre guillemets, qui manquait de générosité. Donc c'est la personne qui. Il écoute même pas ce que je lui dis, elle écoute même pas ce que je lui dis. Et aujourd'hui, ben, j'ai vraiment cette impression que vous faites sauter les doutes et les hésitations, vous voyez, comme des personnes les plus réticentes. Vous voyez, il y avait des personnes, j'ai envie de dire, très réticentes à l'idée, on va dire, comme de s'approcher de vous. Et ce sont des personnes qui réalisent en réalité, tu as bien caché ton jeu, hein. Tu maîtrises quand même dans ton professionnel. Et tu as bien caché ton jeu, parce qu'en réalité, ben, quand on passe du temps avec toi, on réalise que, ouais, il y a de la joie, il y a du bonheur par là. On sent en réalité, vous voyez, qu'on peut. On vous trouve de plus en plus agréable. Pour moi, il y a des personnes qui réalisent tout simplement que, ah, tu es en train de faire sauter la carapace. Ah, tu as commencé à comprendre en réalité. C'est vraiment quelque chose qui. Ça va vous surprendre, vous voyez, comme de l'entendre, mais ça va aussi vous surprendre de voir que des personnes en réalité qui, tu sais, on te surveille depuis un petit moment, on te regarde depuis un petit moment, mais on ne décide pas d'avancer, tu vois. Ici, on a ça au niveau relationnel. Une personne qui a passé énormément de temps à vous surveiller, mais une personne qui n'a jamais osé, vous voyez, faire un pas vers vous, et c'est la personne qui. Là, moi-même, je sens là que la personne elle est ouverte. Je sens que la personne en réalité, ouais, il y a du bonheur, il y a de la joie par là. Je vais, je bascule, tu vois, parce que. Au final, il n'y a plus de doute à avoir. On a l'impression aujourd'hui, vous voyez, que pour certains, les personnes arrivent à percevoir clairement la personne que vous êtes. Tu vois, au début, on se disait, oh, c'est qui cette personne? Une personne gentille, souriante, non, je ne sais pas. Et aujourd'hui, ben, on réalise, tu vois, que eh ben, peut-être qu'il fallait juste qu'on arrête de douter en réalité. Peut-être qu'il fallait juste qu'on arrête de stresser dans certaines situations. Et c'est quelque chose qui. Moi-même, je ne pensais pas que ça allait se faire. Je ne pensais pas que dans mon professionnel, ils auraient fini, tu vois, par m'identifier comme une personne bien. Je ne pensais pas en réalité que dans mon relationnel, les personnes auraient été aussi à l'aise à l'idée de venir en ma direction. Et c'est dans tout, en fait. J'ai vraiment cette impression jusqu'à maintenant, c'est comme si vous vous étiez caché, tu étais caché dans un coin dans l'entreprise de la personne. Tu disais bonjour, tu disais au revoir, tu faisais ton taf, tu vois, mais sans plus. Si je parle pas, j'échange pas moi-même avec les gens. Une personne décide, tu vois, comme de t'approcher, peut-être à l'arrêt de bus, je sais pas, tu vois. Une personne qui t'approche, on a l'impression, non, au début, on n'osait pas le faire, mais tu le verras ici dans ta journée. Et on nous montre, hein, que plus le temps passera, et plus tu le verras. Les personnes sont de plus en plus. Prends le temps de surveiller ça aujourd'hui. Les personnes sont de plus en plus à l'aise à l'idée de venir vers toi. Tu le verras dans tous les domaines de ta vie. Même dans ta famille, en réalité, la vérité. On se demandait, tu vois, est-ce qu'on peut approcher la personne? Est-ce que la personne même pourra. Bon, parce que la personne, des fois, n'a pas forcément envie. Ou en tout cas, c'est cette sensation, tu vois, qu'on avait.
Et au final, ben, il y a des personnes qui seront aussi de plus en plus à l'aise, voyez, comme à l'idée de vous approcher, puisque ce sont des personnes qui réalisent que toi-même, tu es sur tes appuis. Hein. Toi-même, en réalité, tu vois, si tu as décidé de rester dans ton coin, de ne pas échanger, de ne pas discuter avec les personnes, c'est parce que tu n'en avais pas envie, mais c'est parce qu'aussi, dans certaines situations, on ne s'est pas montré ultra ouvert. On ne t'a pas montré clairement, en réalité, tu vois, qu'on était intéressé. Donc, pour certains, vous fonctionnez avec les autres comme on fonctionne avec vous. Tu es une personne ouverte, moi-même, je suis une personne ouverte. Tu es une personne fermée, moi-même, je tourne le dos seulement et puis j'avance, tu vois, c'est. T'as traité, tu vois, comme les personnes autour de toi jusqu'à maintenant, comme elles t'ont traité. Et ce sont des personnes, il y a des personnes, hein, du moins, on en a deux là dans ta journée, qui réalisent en réalité que c'est vrai, je t'ai mal parlé, donc tu m'as mal répondu, mais bien sûr. C'est vrai en réalité que j'ai pu te prendre, j'ai envie de dire, pour une personne acquise, ben, tu m'as montré en réalité que ce n'était pas forcément le cas. Vous-même, vous remettez, vous voyez, comme les gens à leur place, très facilement, très, voilà, c'est posé, hein, tu vois, sans agressivité, sans colère, mais ici, il y a aussi, tu vois, comme ce besoin de moi-même, je ne me prends plus la tête, tu vois? Si tu veux qu'on fonctionne, on est à 100 km, fais 50, je fais 50. Hein. Moi, je ne veux pas te faire tout le temps 100 km. Tu as envie qu'on parle et qu'on échange. Écoute, au moins, tu vois ce que j'ai à dire. Tu as envie que je puisse t'aider, tu vois, comme à mettre quelque chose en place. Ok. Mais soit aussi, tu vois, comme dans l'aide pour ma personne. On a vraiment cette impression que pour vous, c'est donnant, donnant. C'est fou parce que. C'est fou, vous n'êtes pas des personnes comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment le côté, tu sais, où je me méfiais des gens et puis je n'avais pas conscience en réalité que certaines personnes pouvaient être réellement sincères, tu vois, quand elles disaient, ben, j'ai envie d'aller boire un verre avec toi, une personne de ta famille ici, tu vois, avec qui, bon, écoute, il n'y avait pas forcément de super bonnes relations, la personne t'invite chez elle, même vient, on va manger des crêpes, moi, et puis tu m'invites, tu vois, c'est ce genre de situation qui, les gens changent. Les gens changent avec toi parce qu'en réalité, aujourd'hui, tu prends conscience pleinement de ta valeur. Donc, on a vraiment cette impression que de la même façon, et c'est ça le donnant-donnant, tu vois, que je te disais tout à l'heure, de la même façon que vous pouvez être des personnes hyper ouvertes, vous pouvez aussi, j'ai envie de dire, très rapidement vous fermer. Si, bon, si je réalise que moi-même, je suis tout le temps là, tu vois, comme pour les autres et que les autres ne sont pas là pour moi, bon, écoute, moi-même, je mets fin à ça et puis j'avance seulement. Mais ici, vous êtes juste avec vous-même, donc juste avec les autres. Et au final, en réalité, ben, il y a plus de raison, tu sais, comme d'avoir des, entre guillemets, tu vois, des relations un peu, voilà, c'est du n'importe, tu vois, c'est vraiment ça. Il n'y a plus ça chez toi. Donc, en réalité, tu vois, tu auras des relations de meilleure qualité. Les personnes, j'ai envie de dire, qui vont t'approcher dans les prochains temps, ce sont des personnes, en réalité, qui ont la tête sur les épaules et pas forcément les personnes qui partent dans tous les sens. On veut être là, mais on veut Micheline en même temps, tu vois. Il n'y a plus ça, tu vois, dans ton environnement. Et c'est fou parce que même dans ton professionnel, on va te le montrer. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ont fait profil bas. Donc, ça veut dire qu'on ne t'a jamais dit, en réalité, que, aïe, 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 oui, c'est vrai que tu étais un bon élément. On ne t'a jamais dit, en réalité, ce qu'on pensait réellement de toi. On ne t'a jamais sorti, j'ai envie de dire, des choses clairement comme elles étaient, puisque jusqu'à maintenant, on avait l'impression que l'extérieur, ce n'était pas ton problème, les autres, ce n'était pas ton problème, mais au final, on réalise que, ah ben oui, toi, tu t'intéresses aux gens aussi, tu vois, mais il faut te parler pour comprendre ça, tu vois, il faut te connaître en réalité pour en savoir plus sur ta vie, puisque toi-même, tu ne vas pas rester là et puis t'étaler sur ta vie toute la journée, et ça, c'est le truc qui plaît. Ça, c'est le truc qui plaît. Donc, il y a des situations qui n'ont pas avancé vite pour vous, dans votre professionnel, pour certains, puisqu'on n'avait pas encore identifié la personne que vous étiez. Dans votre relationnel, vous avez pu vous protéger, vous voyez, de certaines personnes. Donc, de ne pas être dans l'acceptation, vous voyez, d'une personne qui vous faisait pas mal de compliments, qui avait envie d'avancer avec vous. Dans la famille, en réalité, ce sont des personnes qui réalisent, en gros, que moi-même, si tu me parles, je te parle. Si tu me parles pas, mais écoute, moi non plus, je vais pas te parler, je fais ma vie et. Tes relations, j'ai envie de dire, c'est carré. Non, vraiment, tu avances dans une dynamique pour certains, et ça juste parce que vous regardez. Je me regarde, donc en gros, j'ai conscience de la personne que je suis. La personne m'appelle, la personne est mal, je suis là, tu vois. Oui, tu fais ça dans ta famille. Ton collègue, en réalité, tu vois, comme a besoin d'un coup de main, on a l'impression que vous êtes en mesure de le faire. Dans votre famille, en réalité, on a pu avoir des comportements hyper farfelus avec vous. Aujourd'hui, on s'approche de vous, on sent que, d'accord, c'est pas. Bon, d'accord, les personnes qui n'ont pas parlé pour moi depuis très longtemps décident de s'approcher. Bah, écoute, approchez-vous. Hein. J'ai vraiment cette impression que vous n'êtes pas du tout des personne méchante. Et ça, il faut que tu le gardes en tête. Tu es une bonne personne, tu es une belle personne et dans ta journée et dans les prochains temps, parce qu'on nous dit que c'est limite à régler, tu vois, comme une problématique, j'ai envie de dire, mais avec toi-même, en fait.
ce qui règle, j'ai envie de dire, la fréquence de tes relations avec les autres. Donc, non, pour certains, vous faites du good job, hein, on va dire ça comme ça, vous faites du super bon travail parce que tout est juste, en fait. C'est ce qui fait que, ouais, de belles relations, tu vois, la qualité des relations, plus, hein, tu vois, c'est pas n'importe quoi, hein. Dans ton sentimental, on a l'emprise, on a l'amour, il y a encore cette emprise-là. Attends, on va regarder ça. On a la triangulaire, on a la mise en lumière. Ici, pour certains, on a pris conscience du fait, en réalité, qu'être en triangulaire avec une personne, c'était quelque chose qui nous empêchait, tu vois, clairement, de nous retrouver dans une relation où, voilà, où il y aurait pu réellement avoir de l'amour, une construction stable, en fait. Donc, il y a des prises de conscience. Ouais, ça continue. Et c'est fou parce que, à mesure où tu prends conscience des choses, les choses avancent et évoluent, tu vois, autour de toi. Ouais, c'est vraiment ça. On réalise en réalité que le fait, tu vois, comme d'avoir été dans une triangulaire avec une personne, que c'est quelque chose qui nous a totalement empêchés, vous voyez, comme de nous construire. Et c'est fou parce que ça a fait ressortir, tu vois, comme des côtés même de ta personnalité que tu pensais ne pas exister. Attends, moi, je suis pas une personne dans la jalousie. Je me retrouve, tu vois, comme à faire la tête à la personne. À la personne, je sais, tu vois, qu'elle est en triangulaire. En fait, on a pu ne plus se reconnaître dans certaines situations et ce sont des choses, tu vois, comme moi, mais j'ai envie de laisser ça de côté et ne plus du tout y penser. On a vraiment cette impression que c'est même pas pour dire que ça me brise le cœur. Vous êtes balèze quand même, hein? Parce que pour certains, on sent, vous voyez, que c'est la personne à qui vous tenez. Mais ça, je vais pas dire ça ne fait pas mal, mais moi-même, je suis OK. Oui, je suis OK pour laisser ça de côté, puisque bon, écoute, on n'avance pas, on est en triangulaire. Ça m'empêche, tu vois, comme de faire la connaissance ou la rencontre d'une nouvelle personne. Il y a une personne qui va te faire une invitation. Dans ce moment où tu es en train de te détacher, tu vois, comme de cette triangulaire, il y a une personne en réalité qui débarque sur ton chemin. Limite, c'est le truc, il est synchro. Non, je vais te dire les choses comme ça. Tu lâches la triangulaire. Communication, invitation, je peux fonctionner, tu vois, comme avec une personne, et c'est fou parce que c'est comme la personne en réalité qui, voilà, je suis là, nous pouvons fonctionner. Pour certains, on sent, tu sais, que c'est le truc qui, ça risque d'être un peu déstabilisant. On nous dit ça, invitation, moment de partage, c'est correct, ça n'engage en rien, mais c'est vrai en réalité que j'ai quand même pas envie de me servir de l'autre, tu sais, comme pansement. Et c'est le truc qui fait qu'on va faire attention, tu vois, comme dans cette nouvelle relation, puisque vous n'aurez pas envie de blesser la personne en face de vous. C'est fou parce que tu n'as même pas peur d'être blessé. Tu sais, c'est comme si tu te disais en réalité, les gens portaient tellement de masques avec moi. Non, vraiment. Les gens ont joué tellement la comédie avec moi que là, moi-même, j'ai pas vraiment peur, hein, de rencontrer ce genre de situation. Par contre, j'ai peur, moi, tu vois, du comportement que je peux avoir avec les autres. Et vous vous connaissez hyper bien. Mais on nous parle vraiment quand même d'une personne qui débarque dans votre environnement et c'est fou parce que il faut que tu restes attentif ou attentive à ça. Tu te fais inviter par une nouvelle personne, une personne très agréable. Mais il y a encore, tu vois, comme cette personne qui, je voudrais encore t'entraîner, tu vois, dans cette triangulaire. Je voudrais encore, en réalité, pendant un petit temps, on nous dit qu'il y a une personne qui va pas totalement vous lâcher, hein. D'accord? La personne, elle voudra encore t'entraîner dans la triangulaire, elle voudra encore, en réalité, tu vois, comme te solliciter. Et on nous dit qu'après un certain temps, éventuellement, tu sais, c'est la personne qui comprendra que c'est stop et qu'il n'y a pas de possibilité. Mais c'est vrai que ton détachement peut être un peu brutal pour l'autre. Ouais, c'est limite, j'ai l'habitude, en réalité, qu'on fonctionne ensemble. Du jour au lendemain, comme ça, tu me dis, tu veux plus être en relation avec moi. C'est. Ah, tu vois, ça. Douche froide, tu vois, on va dire ça comme ça. Donc, on a une personne que vous rendez dingue, vous voyez, en vous éloignant. Non, je te dis ça, tu rends dingue la personne. Oui, attends. Tu rends dingue la personne. On a le masque, on a la coupure. Mais la personne a fait tellement aussi comme si elle allait couper la relation qu'au final, toi-même, t'as fini, tu vois, par ne plus y croire. Bon. Pour d'autres ici. Tu verras ce que tu feras de l'invitation. Hein. Pour d'autres, ici, on nous montre que vous êtes déjà en relation et jusqu'à maintenant, vous voyez, on s'est interdit, tu vois, comme de faire des projets avec la personne en face. Si on est en relation, mais en réalité, ben, vous avez beaucoup tourné en rond.
Vous vous êtes beaucoup posé des questions. Est-ce que je passe à une étape supérieure? Donc ça veut dire on habite ensemble, on fait des enfants, on fait des trucs, on achète une baraque. Ou au final, en réalité, est-ce qu'on décide de, tout simplement de vivre la situation? Ici, on n'avait pas plus envie que ça de s'investir aux côtés de l'autre. Et aujourd'hui, on sent, tu vois, que petit à petit, vous êtes en train, vous voyez, comme de casser, vous voyez, certaines illusions par des prises de conscience, tu vois. On casse tout ça en réalité pour qu'on puisse pleinement être en relation avec l'autre. On a l'impression aujourd'hui, on fonctionnait ensemble, et là, le fait de casser les illusions, le fait d'être, comme on disait tout à l'heure, un peu plus dans l'ouverture, ben, c'est quelque chose qui fait que la relation, elle se solidifie, mais c'est aussi le truc, c'est en mode ça bouge pas. C'est comme si, enfin, l'autre, entre guillemets, attendait tout simplement que toi, tu t'investisses dans la relation pour s'investir à son tour. Non, je te dis ça comme ça. Donc, on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où pour ceux qui sont en fonctionnement avec quelqu'un, il y a une officialisation. Pour ceux en réalité qui étaient déjà, tu vois, dans une relation officielle et qui ont refusé jusqu'à maintenant, vous voyez, comme de faire des projets parce que voilà, vous n'étiez pas, j'ai envie de dire, comme totalement sûr de vous ou de l'autre. Attends, de vous ou de l'autre, on sent en réalité, vous voyez, qu'on lâche un peu prise sur certaines situations, donc sur certaines de nos peurs, et que ça va nous permettre, tu vois, comme d'arrêter de tourner en rond. Ouais, il y avait vous, il y avait la peur. C'est vraiment ça. Hein? Et c'est quelque chose, vous voyez, qui se mettait entre vous et l'autre, tu vois. Je veux fonctionner avec toi, mais en même temps, si c'est pour me faire du mal, hein, tu vois, je veux passer à une étape différente, mais si en réalité, c'est pour qu'on puisse se séparer dans quelque temps, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois, c'est, voilà. Maintenant, tout est clair dans ta tête, maintenant, tu peux clairement avancer, tu vois, vers quelque chose de totalement différent. On va répondre à tes questions, oui. Je te laisse te poser une question, plusieurs, si tu veux. On va prendre trois cartes. Et on va y répondre. Alors, pour la première, la deuxième, on va en prendre quatre. Si tu as une question supplémentaire, on va en prendre quatre. On commence avec la première. De grands changements positifs. La deuxième, affirmez-vous. La troisième, vous êtes prêt. La quatrième, pas le bon moment. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.